qu'est-ce que t'as fait? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à Ibiza avec les gars pour la fin du Gaynor Tour. Et il fait très très chaud comme vous pouvez le voir sur ma tête. On est sur le chemin d'un petit spot bien stylé que Paul, l'organisateur de la partie Espagne du Gaynor Tour, vient de nous envoyer. Apparemment c'est un 10 mètres et ce soir on va à 25 mètres. Donc on fait les choses crescendo, même si il y a quand même un gap de 15 mètres qui régale pas trop. Mais là la priorité c'est vraiment de se baigner parce que... Je crois qu'ils ont mis le thermostat beaucoup trop chaud aujourd'hui. On vient d'arriver là sur le spot et on dirait on est en Égypte. C'est trop stylé en vrai. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en vrai ici là? Bah non, ça, il y a des années, c'était une pyramide égyptienne. No way. Et en fait, avec les plaques tectoniques, bah ça s'est retrouvé là. Ah ok. Non mais en vrai, ce lieu, je crois que c'est un château et il s'est à moitié effondré. Mais je pense qu'il est bien bien vu. Hein. C'est un château de l'époque de l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est un pays. C'est pas une époque. Flo, on est où? Il se passe quoi là? On est à Ibiza. Et j'aurais jamais pensé venir ici de ma vie. Hein. Pourquoi? Parce que les teufs et tout, j'en ai rien à foutre. On est sur un trop beau spot là. Il y a une petite arche et il y a un 10 mètres. L'eau, elle est ultra turquoise. On va essayer de faire un petit shot FPV. Il y a Vlad qui est en train de se placer. Okay. C'est là. Ah, la full panique. Oh la panique. En vrai ça fait bugger quand t'es pas habitué de partir au bip bip de Vlado. Tu te dis ok, faut que j'y aille. Send it. Allez, tourne! Ouais. En vrai, on l'air, c'était un moment où tu dérives. Ouais. Allez, le C! Vas-y, saute! 4, 3, 2, 1, let's go! Oh, je l'ai pas! Non! Ah, il galère! Attends, j'y vais! 3, c'est chaud là! C'était une foule ça hein. Oh, c'est la pire sensation. Non mais c'est super dur ouais. J'ai pas l'habitude de sauter et toucher un truc. Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Oui. Oui non. Non, t'es parti en avant. Vas-y c'est bien, j'essaye. Vas-y. Ça je fais rire. 3, 2, 1. Oh, oh. Yes. Tarek. Oh. 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 Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as glissé? Il a glissé. Je crois qu'il a glissé sévère. Oh. 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 Mais non, du coup, non, arrête. Arrête de faire les trucs comme ça. Ah, une casse triche. 2, 1. Yes. Voilà. Yes. Incroyable. Ça c'est bon ça. Allez, le C. Le petit nez rouge là. Let's go. Oh. Excuse-moi. Oh, excuse-moi. Let's go. No way. Attends, je veux qu'on me garde la tête. Vas-y.
Oh oui, parfait. Ah putain, le timing est vraiment parfait. Ok, 5 4 3 2 1 Send it. C'est propre. C'était bien? Bah ouais, c'était cool, mais j'ai pris la flotte et je crois que ça bug. Je trouve ça. Normalement, ils sont waterproof, mais le pauvre, il en a vu toutes les couleurs là. Et du coup, je crois qu'il est plus totalement waterproof. Du coup, j'ai plus de retour vidéo. On a bien bougé sur ce magnifique spot. Il y avait un petit 10 mètres et là on doit remonter l'énorme côte qu'on a descendu tout à l'heure. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de motivation. Ça va être horrible. Je suis déjà fatigué là et je vois tout ce qu'on a à grimper. Ça va être horrible. Je me remémore comment on est descendu vite. On était très très lent. Là pour la remontée, ça va piquer. Mais le truc surtout, c'est que on était au soleil toute la journée. On a sauté toute la journée et du coup on est mort. Il faut quand même monter cette grande montée. Et du coup là on décale au 25 mètres, c'est le spot local de Ibiza. On part au 25 mètres là, on change de spot et j'en profite pour vous parler de Realty qui sponsorise la vidéo. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo parce que ça permet de financer une petite partie du trip à Ibiza. Realty, c'est une plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 50$. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des rendements de environ 10% par an. Je sais pas si on entend bien parce qu'on est sur une petite route. Et du coup, il y a plein de boss, il y a la vaisselle qui fait du bruit derrière, mais je pense quand même que c'est le bon moment pour vous parler d'immobilier. Ils mettent régulièrement des nouvelles propriétés sur leur site, et en gros, tu peux acheter une fraction et tu reçois ton loyer en proportion de l'achat. Ça peut t'intéresser si tu veux placer un peu d'argent dans l'immobilier ou juste avoir un revenu complémentaire sans te prendre la tête avec les délires de l'immobilier classique. Et si t'es comme nous et tu mises pas forcément sur le système des retraites, ça peut être une bonne alternative à explorer. Même si on a quand même pas mal de temps avant la retraite. J'avoue que Matt là il vous parle de retraite, mais pour moi c'est dans tellement longtemps. Pour l'instant l'objectif pour moi c'est de voyager le plus possible, faire du cliff, du parcours, être entre potes. En plus il y a un truc cool avec Realty, c'est qu'ils utilisent la blockchain. Ça comporte beaucoup d'avantages. T'inquiète, si tu connais pas, tu pourras quand même investir facilement après la création de ton compte. Si tu veux t'inscrire ou voir à quoi ça ressemble, on t'a mis un petit lien en description de cette vidéo.
Et c'est mieux si tu passes par ce lien parce que ça permet de soutenir la chaîne Wheezy. Donc faut quand même toujours faire attention avec son argent. Donc renseigne-toi bien de ton côté avant de commencer à faire ça. Les gars, ça part sur un gros 25 mètres. Il y a déjà Romain qui est parti voir un petit peu ce que ça donnait. Ça a été une grosse journée. Mais là, c'est le scène de fin, c'est le big boy. Donc ça va envoyer. Bon, on vient d'arriver sur ce spot mythique à Ibiza. Et tout le monde dit qu'il fait 25. Je viens d'arriver et j'ai l'impression qu'il fait 22. Là, il est parfait, hein, c'est un délire. Il est magnifique. On dirait pas 25, c'est un délire. T'as vu, on dirait 22. Les gens, ils commencent à s'échauffer là. Je sens qu'après mon gainer, ça va s'enchaîner fort. Robin, I'm waiting for the safety. À chaque fois il fait peur, mais en vrai il a tout le temps. Behind the scene là. Merci les gars. Ouah, c'était énervé gros. Putain. Tellement long, mais tellement long. Incroyable. C'est la fin de cette journée incroyable. En vrai, c'était deux grosses sessions. Fou. On espère que vous avez kiffé. Oui. Parce que là, Sanglar, il s'est quand même bien lancé encore. Toujours, toujours en fin de session avec les sunsets. Franchement, il n'y a rien de mieux. Hein. Clairement là, ça s'est envoyé à la mort. C'était magnifique à regarder quand, franchement. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ah, j'ai une crampe, au pied. Mais mec, on va prendre la foudre aussi. Avant, il y avait du tonnerre.